Nolwenn Leroy est fier de son homme Arnaud Clément, de manière générale. Mais elle l'était encore plus ce samedi, lorsqu'il a accompli un bel exploit devant plein d'autres stars. Jamais une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques n'avait été faite hors d'un stade. La France l'a fait. Et jamais une épreuve n'avait été ouverte au grand public. Et la France l'a fait également. Ils étaient 17 361 à se lancer sur la distance mythique, 42,195 km, dans les rues de Paris en début de soirée ce samedi 11 août, pour le marathon pour tous. Parmi eux, une marée de coureurs amateurs. Mais aussi quelques anciens sportifs, que tout le monde connaît, comme Martin Fourcade, Amélie Mauresmo, Camille Lacour, qui a récemment fait sensation dans un accoutrement insolite, ou encore Robert Pires. Sans oublier Arnaud Clément, l'ancien joueur de tennis, qui a l'air visiblement toujours en pleine forme, en témoigne le temps qu'il a pris pour finir le parcours, à savoir 3h19. Un très bon temps qui a rendu très fière sa célèbre amoureuse Nolwenn Leroy, qui était présente pour le soutenir. En témoigne cette vidéo postée sur son compte Instagram où l'on voit son homme franchir la ligne d'arrivée. Elle l'a alors félicité, en postant ensuite une photo de sa médaille. Nolwenn Leroy peu présente pour son fils, Arnaud Clément à la rescousse pour rappel, ils ont un fils ensemble, prénommé Marin. Un enfant pour qui ils essayent d'être le plus présent possible, même si c'est parfois compliqué pour la chanteuse. Si elle était juste pour alors habituée à délaisser Marin et son papa pour la série de concerts annuels des Enfoirés, ou encore pour ses nombreux shows qu'elle propose chaque année partout en France, en Suisse et en Belgique, Nolwenn Leroy n'était en revanche pas préparée à s'absenter plusieurs mois. C'est pourtant ce qu'elle a dû faire pour le tournage de la mini-série fantastique de TF1 Brocéliande, dont elle a accepté de camper le personnage principal. Heureusement, Arnaud Clément a parfaitement comblé cette absence. Marin a la chance d'avoir un papa très présent. Il a donc très bien vécu de ne me voir que le week-end durant le tournage. Expliquait la gagnante de la deuxième saison de la Star Academy dans un entretien accordé à Ciné Télé Revue. Une famille très bien organisée donc.